Nos têtes ne se courbent pas, nos têtes restent levées vers toi, vers ta sainte montagne où nous viendrons. Voilà pourquoi, Seigneur, tu déverses cette bénédiction de ce 21e jour sur ton peuple. Accorde à chacun selon son vouloir. Guéris ceux qui sont malades, délivre les captifs, ouvre les voies, les portes qui étaient fermées et donne la victoire à ton peuple. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons ainsi prié. Pourquoi un signe d'action de grâce pour sceller la bénédiction de ce bénédiction jour, nous t'acclamons en puissant des cris de joie. Nous t'acclamons, nous te glorifions. Nous t'acclamons, nous te bénissons. Est-ce que tu peux bien acclamer, Seigneur, ton Dieu? Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Quelques offrandes nous voulons offrir à Dieu. Avant d'écouter la parole de ce soir, nous voulons dresser nos têtes, dit Seigneur. Seigneur, bénis ces offrandes que nous t'apportons ce soir. Bénis le Seigneur pour tout celui qui l'apporte de bon cœur. Et souviens-toi de lui selon la mathématique que tu as fixée au ciel. Tu as dit, tu multiplieras au centuple. Derrière ces offrandes, vois les travails, les familles, les affaires, les commerces, les projets qui sont représentés et bénis chacun. Ce que l'offrande représente pour l'Éternel, la nourriture que nous déposons de l'Union de cet hôtel, afin que maintenant que tu veux nous parler, que ton cœur se réjouisse et que tu accordes à chacun au travers de ta parole ce que son cœur désire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous apportons nos offrandes avec joie, rapidement, que le Seigneur te bénisse.
Que le Seigneur te bénisse avec tes offrandes de ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rapidement ce soir, nous commençons mes deux jours ici avec un fils, un enfant de Dieu qui a la grâce du Seigneur. Amen. C'est un prophète, un prévoyant. Nous avons traîné un peu au bureau parce qu'il m'a surpris. Amen. Alors que j'étais sorti maintenant pour aller faire quelque chose, il m'a parlé de ce que je venais de faire. Amen. Alléluia. Il ne m'a pas parlé, il a été humble, pas parce qu'il savait, mais il voulait se rassurer qu'il est dans les bons. Amen. Je viens de faire quelque chose avant ici, mais lui m'a parlé de ça et comment ça s'est passé. Il m'a parlé d'autre chose. Je lui ai dit, nous recevons cette grâce. Et pendant cette marche où nous sommes déjà à 29 jours, bien aimé, que si tu regardes bien les bons, si tu fixes bien tes regards, t'en ailles déjà à l'horizon. Amen. 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 Et il ne nous reste plus que 11 jours de marche. 11 seulement. Et nous arriverons à Cana. Ce qui t'attend à Cana, ce n'est pas la promesse d'un homme. Ce qui t'attend à Cana, c'est la promesse d'un Dieu qui ne ment jamais. Dieu ne ment jamais et sa parole ne souffre d'aucune difficulté. Ce qu'il t'a dit, il l'accomplira. Et ce soir, nous allons écouter la voix du Seigneur auprès d'un homme que je porte dans mon cœur, un fils. Vous allez le découvrir. Il a la grâce de Dieu. Il m'a été recommandé par quelqu'un de sûr, d'honnête, quelqu'un qui croit à la saine doctrine. Ne regardez pas ses paroles, mais écoutez ses paroles. Amen. Il a quelque chose de Dieu. Il va te parler, il va te toucher. Il a déjà beaucoup de messages de beaucoup de gens qui sont ici. Je lui ai dit, je te laisse la liberté d'opérer dans la dimension où le Seigneur va te mener. Si tu es dans la joie, nous allons recevoir les prophètes. Et donc, revenons à toutes nos acclamations, que le Seigneur te bénisse. Sois libre et que tu opères sous la grâce du Seigneur. Que l'esprit de cette vision t'accompagne et que tu te sentes à l'aise et que tu te sentes libre. Que Dieu t'amène dans les firmaments afin que tu sortes les esprits et les cœurs afin d'entrevoir l'avenir, d'ouvrir la voie, les portes fermées et que l'esprit de l'aigle, les yeux de l'aigle te soient donnés en ce moment au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bon, j'ai pensé que j'attendais pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la gloire pour la mort. Nous avons pris sur le prophète. Et j'attends pour notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, moi j'ai pensé que mon Dieu a la gloire dans l'état de Dieu. Alléluia. La puissance des femmes, c'est dans l'état de Martin. Notre pasteur a rencontré le président de l'artiste. On a l'habitude de se dire de nous. Parler de zéro de zéro. Mais là, je sais qu'on acclame mon nom. On acclame ma famille, mon nom est ressuscité. Donc, c'est moi qui ai ressuscité, mais il y a la voix du Père. Donc, c'est moi qui ai la voix du Père, mais parce qu'il est en moi et il est en toi. Donc, c'est pour moi parce qu'il est en nous, mais parce qu'il va faire la gloire de Dieu, la prochaine pour toi, mon nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cette parole encore ce soir. Et je dis merci à Dani pour cette accueil de place. Parce qu'elle a cher et cher pour les personnes qui sont chères. Il a dit ne regarde pas ma barbe parce que cela ne dépannira pas et ne changera rien du tout. Et ne regarde pas ma taille parce que ma taille aussi ne peut rien ajouter dans ta vie. Mais j'aimerais simplement que tu t'approches encore de plus en plus vers Jésus.
Parce que ceux-là qui se sont approchés de Jésus qui ont vécu un miracle dans leur vie. La majorité de ceux-là qui ont suivi Jésus n'étaient que des spectateurs par rapport à tout ce que Jésus pouvait faire. Et alors ce soir, je ne veux pas que tu sois un suiveur, mais je veux que tu sois celui qui t'approche de Jésus. Amen. Amen. Je dis m'assure aussi à toi qui es là, parce que si tu n'étais pas là, je ne pense pas que ce message de ce soir nous serait révélé par le Saint-Esprit. Amen. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 12. On ira du premier verset jusqu'au verset 8. Donc, on parle de l'été qui a montré dans la gloire. Et le deuxième texte que nous allons lire, c'est toujours la Genèse. Le 13e chapitre. Je pense que là, on ira tout le verset, mais on fera une lecture pour vous. Amen. Amen. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, je le rends jeudi. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies pour toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chien des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel, qui lui était à Paris. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes et Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Nous allons chapitre 13, nous pourrons nous rasseoir. Abraham, remontons d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'homme avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Je sais, j'ai mort verset 5. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, excusez-moi, car leur viande était si considérable qu'ils pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle contre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre les bergers et tes bergers. Car nous sommes frères, tous les pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'homme leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était juste à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine Jérusalem et il s'envoie vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Je vais jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 17, lève-toi, parcours le pays
dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai en possession. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi ses chefs de Mamré. Ils sont prêts des bons, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Ce soir, je pense que je serai en même temps comme un enseignant, en même temps comme un prédicateur. Parce que je crois que déjà pendant tous ces 28 jours précédents, il y a des orateurs qui sont passés avant moi. Ils ont parlé à l'arche par rapport à ce qu'on fait, donc ils sont en train de partager de la marche et l'intérieur. Et j'entends que vous pouvez bien enseigner son avance par rapport à la promesse que le Seigneur lui a promis. Et je t'assure que tous ces orateurs qui sont passés en Seigneur ont fait un travail formidable. Et je le sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un déjà ce soir qui l'enverra à son canal. Parce que tous les 28 jours que tu as passé dans la présence de l'Éternel, quand tu n'arrives pas simplement de meurtre toute forme de mandarines ou toute forme de toute forme des ennemis que tu allais rencontrer dans ton parcours pour atteindre ton canal. Mais c'est aussi parce que pendant tous ces 28 jours, le Seigneur t'a permis de comprendre toute la réalité et les contraintes que tu devais rencontrer dans ton parcours avant que tu aies tenu une position pour ne pas passer à côté de ton canal. Et ce soir, le Seigneur m'envoie de te donner quelques exigences importantes qui t'amènera à partir à ton canal. Donc je pense que ce soir je pourrais toucher un des exigences qui est tellement crucial pour nous. Donc le Saint-Esprit n'a cessé de me les parler depuis la nuit dernière. Je me disais par moi-même, si ça dépendait que de moi, je prendrais l'histoire des enfants d'Israël qui pouvaient quitter l'Égypte pour attendre Canaan. Mais parce que ça ne pouvait pas dépendre de moi, ça dépend de Dieu. Et il sait réellement ce à quoi tu as besoin et cet homme qui a sorti est sorti attendre. Il m'a gagné dans cette tête de l'histoire d'Abraham. Amen, amen, amen. Et lorsque le Seigneur m'amène dans cette histoire, la première des clés les plus importantes qui m'a parlé, qui est aussi l'une des exigences les plus importantes pour arriver à temps dans notre canal, c'est celui de la discipline. Donc ce soir, j'ai parlé de la discipline personnelle comme étant l'une des clés et l'une des exigences qui nous amène à palper le canal de notre destinée. Amen, amen, amen. Amen. Alors que le Seigneur tente de parler de la discipline, la première des pensées qu'il est en train de me donner, donc je venais partager aussi avec toi ce soir, tu comprendras que la discipline est comme l'un des éléments ou comme une source d'élection ou des travers de Dieu qui nous amène à vivre ou à être programmé dans la promesse de Dieu ou pour attendre le canal de notre destinée. Parce que je mérite de rassurer que les canaux que Dieu est en train de poursuivre n'est pas forcément cet homme que Dieu a dégoûté aussi en train de poursuivre. C'est alors que tu dois arriver à comprendre que pour arriver à attendre ce homme que tu poursuis ce soir, l'une des exigences que Dieu a appelé à observer, c'est la discipline que tu vas développer dans ta vie ou dans ta marche. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, avant que tu arrives à palper quelque chose dans la présence de Dieu, cela dépend aussi de la discipline dont tu es en train de t'imposer dans ta marche. Tu comprendras avec moi que dans la vie et dans le parcours de la destinée, tout cet ordre
qui sont appelés à crescer dans la vie, y compris tous ceux-là qui ont réussi dans leur marche et dans leur vie, c'est parce qu'ils ont aussi à s'imposer une certaine discipline de pouvoir partir selon les possibilités. Et alors, tant que tu ne sais pas t'imposer un certain nombre de disciplines dans ta marche, je t'assure ce soir que tu n'arriveras pas à atteindre ton gamin. Tu ne m'as pas donné mon amen. Et alors, une chose à savoir, à chaque fois que Dieu voudra t'exposer dans ta vie ou dans ta marche, à chaque fois que Dieu voudra t'amener à attendre quelque chose de bien pour ta destinée, l'assure-toi, il y aura toujours des problèmes qui arriveront à t'attendre dans cette exposition. Et alors, pour arriver à surmonter cette équité, l'élément le plus important à savoir, c'est la discipline que tu vas t'imposer. La raison pour laquelle tu vas comprendre lorsque le Seigneur est en train de nous exposer dans notre marche, il arrivera à chaque fois ou à chaque pas que tu poseras, l'exact que tu arriveras à poser ou à révéler, cela verra de sorte que les gens autour de toi arrivent à te critiquer, à parler à mal même contre toi. C'est la raison pour laquelle tu vas pas comprendre que, à l'instant que le Seigneur se décide d'exposer, l'assure-toi que tu auras des combats et des problèmes qui vont s'élever contre toi. À l'instant que le Seigneur veut t'amener dans ton canon, il y aura toujours des réalités et des contraintes que tu arriveras à raconter dans ton parcours. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu te lèveras pour prononcer même un mot lorsque tu avances avec Dieu, tout le monde ne sera jamais d'accord par rapport à des idées, tout comme à des messieurs que tu arriveras à prendre. Tout le monde ne sera pas là simplement pour t'acclamer par rapport à ce dont tu diras. Lorsque tu te lèveras pour parler ou dire un mot, il y aura des cela qui diront qu'il a dit ça pour moi. Et lorsque tu te lèveras pour poser des actes, tu te diras des techniques. Les autres diront il s'est fou contre moi, il s'est fou de moi. C'est la raison pour laquelle ne t'attends jamais dans ta marche pour attendre ton canon de pouvoir faire les choses qui plaira tout le monde. Tu dois arriver à comprendre que pour attendre ton canon, tout ce que Dieu est censé faire, apprends à mettre des disciplines, te poser certains nombres des attitudes qui te permettent, afin que tu arrives à comprendre que ce que tu fais, c'est d'abord pour tes propres objectifs et tes limites. Amen. J'ai parlé de la discipline. J'ai dit les exigences qui nous amènent à atteindre notre canal. Amen, amen. Amen. La raison pour laquelle lorsque tu te mettras à travailler dans ton parcours de la destinée, lorsque tu arriveras à travailler pour arriver à atteindre ton canal, fixe-toi des objectifs pour lesquels, rassure-toi que tout le monde ne sera jamais d'avis et d'accord face à ces objectifs que tu fixes là. Mais le problème aussi que tu dois faire comprendre, lorsque tu arrives à te fixer des objectifs à ton propre, ne t'attends jamais que tout le monde vienne t'acclamer et dire à cela. Et ne t'attends aussi pas lorsque tu te fixeras des objectifs à ton propre, que lorsque tu atteindras ces objectifs, tu réussiras dans ces objectifs que tu te fixeras. Cela n'est pas synonyme ou la raison de ne pas se dire que c'est là qui pouvait te critiquer, écoute, c'est là qui allait, qui peut se lever à pouvoir t'empêcher d'atteindre ce objectif. Il y a même des paillassons. C'est-à-dire, par contre, tu vas torcher, on va au moins y a ta maman dans les deux. C'est-à-dire, lorsque tu arrives à réussir dans tes objectifs que tu te fixes, ne te mets pas aussi à te lever à commencer à critiquer les autres qui ont échoué tout autour de toi par rapport à les contraintes qu'ils ont eu à échouer contre toi. Amen. Pourquoi je suis en train de mettre ces choses?
bien. Lorsque le Seigneur me parlait par mon ministère, il se fait qu'à un moment donné, par la grâce de Dieu, j'ai vu la faveur de Dieu dans ma vie. J'ai vu de naturel dans mon parcours. Maintenant, les personnes avec qui on travaille en collaboration, ils se sont tous levés contre moi et à me critiquer. Mais lorsque j'ai commencé à réussir, par rapport à des objectifs que je m'étais fixé, à mon tour jour, je me suis levé en train de pouvoir les dégager, encore les dénigrer. Tout simplement pourquoi? Parce que je m'étais fixé des objectifs et je m'étais discipliné face à cette réalité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, toutes ces personnes qui s'étaient levées contre moi, aujourd'hui, ils viennent chercher de l'appui auprès de moi. C'est la raison pour laquelle je vais te rassurer ce soir. Les disciplines que tu te fixes tout autour de toi te permettra de surmonter et de vaincre même les sentiers qui s'élèveront autour de toi. Mais pour lesquels de ceux-là qui s'élèvent contre toi, tes bons échecs, ils sont au de toi. Jamais un homme ne peut être élevé à s'élever ou à pouvoir se moquer des autres ou à critiquer ou à parler de fausses témoignages contre les autres. Jamais tu n'arriveras à atteindre ton talent tant que dans ta vie tu apprendras à critiquer ou à saluer les témoignages des autres. Parce qu'à chaque fois que tu t'élèveras, à critiquer les autres, à parler du mal des autres, tout comme en exposant les malheurs que les autres t'ont traités, je t'assure, c'est une façon pour laquelle toi-même tu es en train de limiter, même à travers les yeux d'ailleurs. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un homme se lève à parler des fausses témoignages contre un homme et lui, c'est une façon pour lui de se fermer le ciel de Dieu contre sa destinée. Amen. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire, il est toujours dangereux lorsque l'homme veut bâtir sa gloire sur les cadavres des autres. Lorsque tu voudras chaque fois bâtir ta gloire ou atteindre ton cadavre sur les cadavres des autres, c'est-à-dire les postes de manière des autres, je t'assure certainement, la seule chose que tu oublies, lorsque tu marches sur ces cadavres, le cœur, les peaux de ces cadavres s'attachent à ton pied. Et plus tu avanceras, l'odeur de ces cadavres finira toujours par se dégager. Et lorsque ça va se dégager, et c'est toi maintenant qui seras mal exposé. C'est comme ça que tu perdras même ton temps. Et à chaque fois dans ta vie, tu verras toujours bâtir ta destinée sur les cadavres des autres. Rassure-toi de la pollution. N'est pas bien bâti. Parce qu'un jour, il y a un homme dans la Bible. Le peuple qui s'est levé de pouvoir nier Jésus. Il a oublié que lui aussi marcha avec Jésus. Il a oublié que les hommes le voyaient toujours près de Jésus. C'est la raison pour laquelle ce soir-là, lorsqu'il a nié Jésus, il t'a regardé même la manière dont tu es en train de parler. C'est là qu'il montre que tu es aussi de l'heure. Même à ta façon de marcher, c'est là qu'il montre que tu es aussi de l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il peut se faire que tu es fils dans cette église. Mais le grand danger, lorsque tu verras tes lèvres, tu verras bâtir ta tête dans la gloire à talissant l'image de cette église. La seule chose que tu ignores, lorsque tu es en train d'aller bâtir, il y a des hommes qui
qui t'ont dit de venir enseigner. La seule chose que tu dis, les apprends de notre état qui est sur toi. La seule chose que tu oublies, même à ta manière de parler, même à ta marche, définit que tu es l'originaire de ce monde. Amen. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Amen. La raison pour laquelle, à chaque fois que tu voudras avancer dans ta vie, c'est le poste de quelqu'un que tu détestes. Je t'assure certainement, toi aussi, il arrivera pour un moment que tu connaîtras ton chiffre vivant. C'est la raison pour laquelle apprends à t'imposer non simplement des disciples face à des témoignages. Apprends à te fixer des disciples non seulement sur les fausses témoignages, mais apprends à te poser des disciples d'abord pour toi et pour ton Dieu. Amen. La raison pour laquelle tu vas prendre de la marche, c'est pour attendre son canon. Ceux-là qui ont appris à se poser des disciples dans les marches, ceux-là qui ont appris à soigner les témoignages de leur environnement, sont ceux-là qui témoignent aujourd'hui de la gloire de Dieu. Rassure-toi aussi dans le parcours de la marche. Il y aura toujours des hommes et des femmes qui te quitteront. Amen. Parce que si tu veux attendre le canal de ta destinée avec des personnes autour de toi, et plus particulièrement des personnes dont le Seigneur ne t'a pas donné pour avancer avec eux, rassure-toi que tu seras toujours dessus. Et c'est ainsi que tu passeras toujours à te mettre des opportunités que le Seigneur ouvrira en devant de toi. C'est la raison pour laquelle tu comprendras qu'il est de ces personnes qui t'ont quitté dans ta vie, dans ton parcours. Parfois ça t'a fait mal. Tu t'avais posé la question pourquoi il est parti. Mais la seule chose que je venais te dire ce soir, il est de ces personnes qui nous quittent non pas simplement parce que ça dépendait de leur volonté, mais c'est parce que Dieu avait permis que ces personnes arrivent à te quitter. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas destinés à t'amener dans ton canal. Mais il est aussi de ces personnes qui le quittent parfois dans notre marche. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris les procédures. Mais tu vois, leur temps était déjà arrivé. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu verras où tu voudras dans ta vie, t'accrocher toujours à des personnes parfois auprès de qui tu trouves des bénéfices. Parfois, tu arrives à passer à côté des soeurs de les aînés à détenir pour toi. C'est la raison pour laquelle, parfois, dans la marche avec les Seigneurs, lorsque les personnes te quittent au bout de toi, c'est aussi la marche de Dieu dans ta vie pour que tu arrives à comprendre que tout ce dont Dieu t'a appelé à l'homme dans la vie, ce n'est pas forcément au travers des hommes. Amen. C'est la raison pour laquelle dans la vie, parfois il faut apprendre aussi à dire à Dieu, toutes les personnes qui ne sont pas censées m'amener dans mon canon, toutes les personnes qui ne sont pas censées à marcher avec moi dans le parcours de ma destinée, je t'ai pris de leur dire qu'on était près de moi. Mais les personnes qui sont censées m'amener dans le monde de ma destinée, les personnes qui sont censées m'amener dans les canons de ma vie, accorde-moi de m'attacher à eux. Je venais dire à quelqu'un ce soir, toutes les personnes qui t'ont lâché dans la vie, dans ton passé, c'était dans le plan de Dieu. Même si ça t'a fait mal dans ton passé, je venais simplement te rassurer que c'était dans le plan de Dieu. Par moment, dans le parcours de ta destinée, il y a de ces personnes parce qu'ils s'accrochent avec toi.
même lorsque Dieu est dans ta saison de la bénédiction, et que lui n'est pas dans sa saison, je t'assure certainement qu'il sera comme une charge dans ta destinée, qu'il sera comme une pierre d'achoppement pour toi. Pour toi, lorsque tu seras dans la gloire, lui sera le retour de critiquer. Lorsque tu seras en train de parler de ton projet, lui ne sera là que pour te décourager. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur t'amène de la destinée avec des personnes, non pas seulement qui sont appelées à te faire du bien, apprends à bénir le Seigneur parce que ce sont des personnes qui sont comme les membres qui sont dans la gloire. Amen, 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 amen. C'est la raison pour laquelle dans les textes que nous avons lus, dans l'histoire d'Abraham, tu comprendrais que tant que Abraham marchait avec Lot, dans sa marche vers son Canaan, parce que lorsque Dieu se révèle à Abraham, il commence par lui dire, quitte ton père et ta mère, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Donc bien sûr, il s'achetait des canons. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme ce soir, il y a quelqu'un à qui Dieu lui a demandé de quitter un certain nombre de personnes. C'est comme quelqu'un à qui Dieu a demandé de pouvoir se séparer de certain nombre de vies ou de certain nombre de marches. C'est comme quelqu'un à qui Dieu a dit de pouvoir se séparer de certain nombre de vies qu'il a l'habitude de connaître tous les jours. La plupart des fois, nous échouons parfois dans notre vie par rapport à les personnes avec qui nous accompagnons. Amen. Oh, la personne ou les personnes avec qui le Seigneur est en train de mettre dans notre destinée ou dans nos parcours. La connexion se fait d'abord d'esprit à esprit avant d'être le chien avec la chair. C'est la raison pour laquelle tu te rends compte. Toutes les personnes auprès de qui tu t'es approché de ta marche pour atteindre ton talent. Parce que votre affiliation c'était d'abord le chien avec la chair. Parfois parce que tu bénéficiais de certains nombres d'avantages auprès de la personne. Parfois c'est parce que la personne arrivait quand même à témoigner des biens autour de toi. C'est la raison pour laquelle tu t'approches avec la personne. Et compte tenu de cette affiliation, de même bêtises que la personne commet, c'est aussi de même bêtises que toi tu connais. De même erreurs que la personne commet, c'est aussi de même erreurs que toi tu connais. Or, lorsque la connexion est d'abord d'esprit à esprit, les mêmes esprits ou les mêmes combats spirituels que la personne commet, si tu risqueras de connaître les mêmes combats, c'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur se révèle à toi, n'essaie pas d'abord de révéler à la personne auprès de qui tu vas t'accrocher. Mais c'est d'abord l'accrochement de toi et de Dieu qui t'a appelé. Parce que c'est dans cet accrochement qui va te révéler les personnes qui sont venues t'amener dans le parcours. Oui, c'est vrai. Le Seigneur part toujours par le son pour résoudre les problèmes des hommes. Mais c'est les personnes qui ont décidé dans ton parcours de la sécurité. C'est la raison pour laquelle, avant de t'accrocher à des personnes, il faut toujours réveiller, pose-toi la question, est-ce que c'est la personne qui est dans ta vie? Nombreux ont échoué dans les relations pour les mariages. Nombreux les foyers ont aujourd'hui combien de problèmes. Simplement pourquoi? Parce que leur accrochement c'était d'abord de la chair. Et non d'esprit à esprit. Beaucoup de règles que tu commets aujourd'hui dans ton parcours, c'est à cause de mauvaises conseils que tu reçois compte tenu des personnes qui t'entourent. Dieu dit Abraham quitte. Mais Abraham amène l'autre son frère. Vous réaliserez avec moi
Alors qu'Abraham était en train de partir vers la terre que le Seigneur lui avait promis. Donc il allait vers cette terre par la foi. Parce que lorsque le Seigneur se révèle à lui, il lui a pas dit que les canards dont je lui parle, c'est à terre en boîte. Non. Lui n'avait que le devoir de pouvoir croire à Dieu, de pouvoir se poser la discipline et d'avancer. C'est la raison pour laquelle, alors qu'Abraham est en train d'avancer, selon que le Seigneur le conduisait, à chaque fois qu'Abraham consultait l'Éternel, je n'ai jamais vu là où l'homme a consulté Dieu. À chaque fois qu'Abraham bâtissait les autels, je n'ai jamais vu là où l'homme a bâti l'autel. Et alors qu'un jour l'homme s'est levé pour poser Abraham la question, comment tu fais pour pouvoir bâtir l'autel et pourquoi tu le fais? Parce que là où l'Éternel attendait Abraham, ça n'a jamais été là où l'Éternel attendait l'autre. Amen. C'est la raison pour laquelle. Pose-toi toujours la question. Toutes ces personnes avec qui tu t'es accroché dans ta marche. Et ce sont les personnes qui sont censées t'amener dans ton cadence. Amen. Ou ce sont des points qui t'empêchent d'atteindre ton cadence. Amen. Amen. Tant qu'Abraham est attaché avec l'autre, il n'a jamais attendu. Et il n'a jamais atteint son canon. Donc Abraham s'est accroché avec Lot. Il n'a jamais su que le lieu où il était, c'était là où le Seigneur l'attendait. Parfois ce soir, tu perds les gens en train de partir les canons de ta vie. Mais certainement, la personne qui est là près de toi, il est comme une voix qui t'empêche de voir que tu es déjà là. Parce que tu comprendras avec moi lorsqu'on parle de Lot, en hébreu ça veut dire la voile. C'est-à-dire, c'était comme une voile qui empêchait Abraham de se rendre compte qu'il était déjà au milieu où le Seigneur l'attendait. Et c'est la même chose quand tu regardes encore avec la réalité de Lot par rapport à son père. Le nom de son père en hébreu signifie le vent du désert. Le nom de père de Lot signifie le vent du désert. Amen. Donc vous allez vous rendre compte que avec ces deux personnes par rapport déjà à l'alliance ou au lieu du sang qu'il y ait Lot avec son père, il était le portrait caché de près comme son père qui était décédé déjà depuis la ville ou la ville d'Oshib où ils étaient. Amen. Donc c'était comme si la même typologie des personnes qui étaient comme des frères, des personnes qui étaient comme qui empêchaient les hommes de voir leur parcours. Et c'était à ces personnes-là qu'Abraham s'est décidé de s'approcher. La plupart des fois, les personnes avec qui tu t'accroches, par contre, tu connexions n'est pas d'abord divine. C'est par rapport à la connexion de la chair. C'est la raison pour laquelle, parfois, tu n'arrives pas à te rendre compte que là où le Seigneur t'attendait, tu es déjà arrivé. Ce n'est qu'à l'instant que Abraham se sépare d'avec l'autre. La Bible ne me dit pas que c'est là que Dieu dit à Abraham que là où je t'ai appelé, la Bible dont je t'ai parlé, il s'agit de lui comme je t'ai dit. Non. Mais la Bible me dit plutôt, partout le pays est à long et à large. Parce que où je t'ai appelé, c'est là où tu es. Ce n'est pas l'autre pays. Ce n'est pas l'autre ville. Mais c'est plutôt là où tu es. Quand Dieu t'a appelé à le parcourir à long et à large, c'est la raison pour laquelle il arrive à des moments que tu passes à côté de ta destinée. Et pour tous les autres, tu échappes autour de toi. Non seulement pour des personnes qui t'aiment. C'est la raison pour laquelle, ce soir, j'aimerais te donner 5 éléments sur lesquels tu dois articuler la discipline personnelle pour arriver à atteindre ton canon. Amen. 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 La première des choses que tu dois comprendre dans ta marche pour arriver à atteindre ton talent, sur lesquelles tu dois arriver à articuler la discipline dans ta vie, c'est d'abord tes oreilles.
Et ça va nous amener. Amen. Amen. Vous savez, vous voyez, il fait parfois très mal, parfois dans les communautés et dans les églises. Vous vous rendez compte, vous allez réaliser avec moi. Beaucoup de ministères aujourd'hui sont détruits. Non pas d'abord parce que le diable s'est levé. Non pas d'abord parce que le diable s'est levé pour combattre cette église ou ce ministère. Mais c'est d'abord le fidèle. Amen. Mais c'est d'abord le fidèle. Tout simplement pourquoi? Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte avec moi que dans les églises, les gens prennent comme de l'homme et comme des familles. Comme de l'homme et des personnes. Non pas pour se mettre à parler des bonnes choses, pour le mettre des bonnes idées qui pourraient bâtir le ministère. Mais simplement pour critiquer. Amen. Je vais te dire une chose ce soir. La seule chose que tu dois faire comprendre de ta vie. Parmi les choses qui t'empêchent d'atteindre ton talent. C'est parce que tu manques la discipline. Nombre de personnes qui s'accrochent entre elles. Ce n'est pas à critiquer. En parlant des mal des autres. Sans cela, ils n'ont pas une vision pour atteindre leur talent. Ce sont des types de personnes pour lesquelles. Vous allez vous rendre que leur vie n'est qu'une vie de ses places. Il la mange jamais. Alors que tu ne te mets pas près de pour pouvoir émettre des idées pour pouvoir avancer. Et ne sera que pour te décourager. Lorsque toi tu te mets de parler de projets qui coûtent des millions. Lui se met là qui coûte des décourager, il se dit après tout, maman, on veut des millions qui s'envoient. Amen. Oh, le problème, ça dépend de la manière dont toi tu as écouté le Dieu qui t'a fait. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'églises et beaucoup de fidèles aujourd'hui n'arrivent pas à atteindre leur talent. À cause de cette manque de discipline. Et pas se mettre à critiquer. Comment peux-tu te mettre à critiquer même l'homme de l'église qui se met à bénir ta vie? C'est lui. Amen. Je pense que je n'ai pas choqué. La toute liberté dans la vie. Amen. Je disais la première des choses pour arriver à. Pour arriver à atteindre ce talent, pour pouvoir imposer une discipline. C'est tes oreilles. Qu'est-ce que tes oreilles ont l'habitude d'écouter? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole. Mais tu te rends compte que tout ce que tu as l'habitude d'écouter ou d'attendre, des personnes comprennent que tu as attendre ton oreille, ils ont à émettre un certain nombre de langages, un certain nombre de paroles que tu as tissé ou à poser comme une sémence dans ta vie. Qui ont fait que tu sais à quoi tu es arrivé à croire hier, aujourd'hui, tu arrives à émettre le doute toi-même. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as tendu tes oreilles à des personnes qui ne fallaient pas. Amen. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter au plus de toi? Quels sont les enseignements que tu as l'habitude d'écouter? Quels sont les langages ou les personnes que tu as l'habitude à donner les oreilles? La plupart des fois, ce qui nous détruit et ce qui nous empêche d'atteindre nos talents, c'est parfois les dire que les gens aiment autour de nous. Parfois par des paroles de découragement. Parfois par des critiques. Parfois par des langages qui amènent comme des prières autour de ce que nous sommes en train de porter. Amen. Qu'as-tu écouté autour de toi? Quel est ce langage que tu écoutes autour de toi? Ça t'empêche même de voir à qui cette parole prophétique que tu as mis. Beaucoup de choses n'arrivent pas à atteindre simplement aujourd'hui des amis par rapport à des choses que tu as écoutées, qui ont été à détruire même les immenses pour
opportunité favorable que tu as. La raison pour laquelle je viens te dire ce soir, apprends à discipliner tes oreilles pour que tu arrives à bien ton maman. Apprends à nourrir tes oreilles par des langages qui arriveront à construire ta vie. Apprends à nourrir tes oreilles par des langages de positivité qui arriveront à monter et aller au plafond. Arrête d'écouter les langages qui amènent les décroissements. Si la voyons par le cosmos, ça va aussi. Amen, amen, amen. Amen. Et je verrai t'assurer encore ce soir. Il y a des personnes aujourd'hui autour de ta vie que tu dois apprendre à leur dire non et à être loin et à ne jamais leur tendre les oreilles. C'est vrai, tu me diras parfois la personne qui parfois te parle et qui amène tes paroles de découragement tous les temps. Peut-être que c'est ton aîné. Oui, parce qu'il te respecte dans l'une des siens, mais ne les donne pas tes oreilles. C'est qu'il y a marié contre la matouille. Amen. 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 La deuxième chose que tu dois apprendre à discipliner dans ta vie, c'est ta bouche. Amen. La Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre, mais c'est plutôt ce qui sort. Or, la plupart de moi, ce qui sort, elle sort par la bouche. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. La plupart de moi, ta parole parfois n'a pas de paix, elle n'a pas de science, ni de pas tout simplement pouvoir. Parce que dans ta bouche, tu es habitué à prononcer des choses qui n'est pas digne de sa sanité. Les gens pensent aujourd'hui que les sept péchés que la Bible interdit, c'est la publicité. Non. Les mensonges. C'est la même titre que la publicité. Les critiques. Tu verras à quel même ton talent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as l'habitude de prononcer dans ta bouche? Aujourd'hui, la bouche peut même être transformée par des langages par écrits. Aujourd'hui, il est des choses que tu arrives à échanger avec les gens ne plus que par les écritures, par les SMS, par WhatsApp. Apprends à discipliner ce dont tu as l'habitude de parler ou de prononcer tous les fois. Apprends à comprendre une chose. Abraham a compris une chose. Il ne pouvait pas continuer de démêler avec Lot, accepter ce qui était passé avec Lot. Il a fini par tester par la bouche pour tester que toi et moi et moi, ton camarade. Il est le moment que tu dois apprendre à dire non. Face à un certain nombre de choses qui se disent autour de toi. Et il est à le moment que tu dois prendre aussi à te séparer des personnes qui sont près de toi. Après tout, Dieu accepte la séparation et il est la division. Parce que la division, c'est le plus quittable. Mais par discipline, tu dois prendre à te séparer avec certains nombres de personnes autour de toi. Par la discipline, tu dois apprendre à te séparer avec certains nombres de langages que tu dois émettre au bout de tes lèvres. Combien de personnes autour de toi, tu as détruit leur vie à cause simplement d'une parole que tu avais prononcée. Combien de portes tu as fermées autour de toi à cause simplement d'une langage que tu avais prononcé. Combien de opportunités t'ont échappé à cause de la langage que tu avais prononcée. Amen. Ce soir, je vais dire à quelqu'un. Change les langages que tu as l'habitude de mettre autour de toi. Change les langages que tu as l'habitude de mettre dans ton environnement. Apprends à proclamer les paroles de positivité autour de toi. Amen. Atteindre ton talent. Parfois, c'est par rapport à la tentation, par rapport à les décisions que tu prends que tu arriveras à atteindre ton talent. La plupart de toi, il y a des choses qui arrivent à nous attendre dans la vie. Certains nombres de paroles de malédiction aussi arrivent à nous attendre dans la vie. C'est parce qu'on a pu accepter dans notre parcours. Mais alors que tu apprendras aussi à t'élever à pouvoir dire non à ces ravages. Alors que tu apprendras aussi à t'élever à pouvoir dire non à cette forme de négativité autour de toi. C'est là que tu arriveras aussi à surmonter et à se partir de la vie. J'ouvre une parenthèse pour dire aussi, vous savez, dans les domaines spirituels, tout comme dans les domaines de délivrance, dans les domaines des antennes,
Le diable a l'habitude de nous accuser. Les ennemis, c'est là qu'ils combattent. On a l'habitude de nous accuser auprès du diable. Par les phrases et les paroles prononcées sur le Père. Or, nous aussi, étant enfants de Dieu, on a aussi le pouvoir d'annuler ces paroles que par des langages. C'était par Dieu. C'est alors que je viens pour te dire. Bon nombre de choses autour de toi ne peuvent marcher par rapport à des décisions que tu peux prendre. Quels sont les langages que tu mets dans ta vie? Donc je n'ai cessé de dire. Certains nombre de langages qu'aujourd'hui c'est pourtant mais pas des effectifs. Ce que tu cultes, ceci est une façon de parler. Parfois, beaucoup de choses ne marchent pas autour de toi parce que toi-même, tu as confessé certainement les paroles de négativité. Tu regardes les réalités de ton parcours. Tu regardes les réalités de ta famille. Tu regardes les réalités des gens autour de toi. À la fin de toi, tu te dis, est-ce que moi aussi ces choses arriveront? Apprends à nourrir ta vie par des langages de positivité. La troisième chose que tu dois arriver pour mon Dieu, je dois aller rapidement. Excusez-moi, j'ai pas de lui. Je n'avais pas demandé de lui. Merci beaucoup. J'ai pas dit à Dieu, je vais prier. Amen. Merci beaucoup, David. La troisième question qui est pour apprendre à discipliner, c'est de pied. Amen. Amen. Tu dois apprendre à discipliner de pied. Toutes les opportunités. Qu'on arrive à tendre dans la vie, n'est pas forcément de Dieu. C'est aussi par rapport à l'évidence qu'on se fait par rapport à notre décapitation. Amen, amen. La Bible dit, partout où l'on répond à des pieds, il y a la possession. Mais la première chose que je vais te poser, d'attendre chacun du Seigneur. Quels sont les lieux et les endroits que tu as habitué tes pieds à pouvoir attendre? Parce que tu te rends compte avec moi, Abraham a possédé Canaan par les pieds et non par les langages. Parce que la Bible dit, à l'instant qu'il se sépara avec Lot, l'Éternel dit, parcours le pays à l'homme et à l'arche. Il a possédé le milieu par ce qui est. C'est la raison pour laquelle la seule chose que j'aimerais te dire ce soir, la nature était donnée. Tout l'environnement dans lequel tu fréquentes était donné. Même le bureau là que Dieu t'entraîne dans le billet, il ne suffit d'entrer dans le et que tu l'as, elle te sera de la possession. Parce que la Bible déclare que la parole de l'Éternel est comme une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, même quand je parlais de la vallée de l'ombre de Gabon, je n'ai été honté pas parce que l'Éternel est avec moi. Mais tout simplement parce que j'étais ta source de ma vie. Et dans mon esprit, il y a une parole qui était dite. Que la parole et esprit est dite. Mais la même parole, elle est le Christ lui-même. Mais parce que je sais que les toutes les dons je porte à moi, elle est aussi sur le pied, c'est-à-dire, même si on met des limitations à les pieds, même si ma voix est en bas sur la zéla, même si ma tienne a accident en zéla, même si ma tienne a une limitation à mes ennemis, même si ma tienne a paralysé dans zéla, mais parce que je sais qu'il y a une parole, qu'elle dit que la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds, et il est dit partout je ferai. Amen. 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 Amen.
apprends à discipliner tes pieds. Par rapport à des enfants que tu as l'habitude de faire. Parfois, tu n'arrives pas à posséder les milliers. Tout simplement parce que tes pieds sont habitués à fréquenter des lieux pour lesquels tu ne pouvais pas. Tu es enfant de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas quoi arrêter à fréquenter les terrasses de boîte de nuit consommées. Or, dans chacun de ces environnements, il y a des esprits qui habitent. Amen. Apprends à discipliner tes pieds. Il n'y a pas quatre des choses que tu dois discipliner. C'est tes mains. Parce que le Seigneur dit clairement dans ses écritures, tu béniras l'œuvre de l'oreille. Qu'est-ce que tes mains ont l'habitude de toucher? Parfois, nos pieds ou nos mains n'arrivent pas à produire, elles n'est pas productives. Par rapport à des choses qu'on est habitué à toucher. Et c'est ce point, j'aimerais aussi dire directement à l'Église et à ceux qui sont des sacrificateurs. C'est vrai. Dans les doctrines, il y a aussi les positions des mains. Dans la Bible, nous parle de la Galate. Mais la seule chose que tu dois comprendre, tant que le Seigneur ne t'a pas donné la balle de pouvoir imposer à quelqu'un, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que lorsque nous imposons les mains, à l'instant, nous sommes entrés dans la connexion avec des esprits qui combattent la vie de la personne. La raison pour laquelle, à chaque fois que tu viens de faire un service de position des mains, avant de venir devant les trônes, les chiens des genoux, et élève encore tes mains vers les ciels. Beaucoup de choses n'arrivent pas à marcher entre tes mains. Par rapport à des choses qui sont là, qui dépêchent autour de toi. Qui n'est pas digne et qui n'est pas saine. Et la dernière des choses que tu dois apprendre à discipliner, c'est ton corps. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois apprendre à discipliner ton corps. Parce que tu comprends avec mon cœur. C'est vrai, la Bible dit que. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas un moment. Beaucoup de choses n'arrivent pas à marcher à nous. Tout simplement parce qu'on n'a pas su discipliner nos corps. On aspire au mariage. Mais on expose déjà nos corps avant même le mariage. On aspire à attendre un certain nombre de grandes choses autour de nous. Mais comment gérons-nous notre corps? Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je veux être content. Si tu as ta vie. Et dans ta marche pour atteindre ton parent, tu apprends à imposer ces cinq disciplines dans ta vie. Je t'assure que tu vas atteindre ton parent. Bien-aimés frères et sœurs, on peut être jeune, mais la discipline pour l'école nous posera sur notre corps nous permettra de bénéficier. C'est vrai. Ne pense pas parce que celui-là expose une vie pour laquelle elle est dans la lutte, dans le luxe. Et doit s'y exposer pour atteindre le même luxe. Non. Discipline-toi. Et le luxe est dont tu cherches. Elle est en toi. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je vais venir à quelqu'un ce soir. Et puis sans discipline. C'est lui qui n'a pas d'avenir. Alors, pour que tu arrives à attendre ton talent ce soir, on va imposer une discipline à ta vie. Est-ce que tu peux t'aider pour comprendre? La seule prière que j'aimerais que tu fasses ce soir, j'aimerais que tu dises à Dieu que toutes les valeurs de Dieu sont. Au bâtiment, 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 au bâti
Qu'ils soient comme des freins qui t'empêchent d'atteindre ton canal. Qu'ils soient comme des voiles qui t'empêchent d'atteindre ton canal. Que le Seigneur te sépare de ce soir. Toutes les personnes qui sont comme des lords dans ton parcours. Qui t'ont empêché d'entrer dans ton mariage. Qui t'ont empêché de taper de grandes choses et des opportunités qui s'est présentées autour de toi. Que ce soit le Seigneur de ses parties. Toutes les lois qui se sont levées autour de toi. Et t'as comme freinage qui t'empêche de pouvoir entrer dans le processus de la visitation de Dieu pour ta vie. Les lois de ta vie peut être quelqu'un de ta famille. Ou être tellement ça va l'homme encore la famille pour que nous devons vivre mon lamenté. Amen. Le lot de ta vie peut être quelqu'un qui s'est levé dans vos familles, qui a prononcé des paroles de malédiction, qui vous empêche à vivre la parole de Dieu. Le lot de ta famille peut être quelqu'un qui s'est levé autour de ton environnement ou de ton travail. Et après, il y a un dossier dans le pour qu'il y ait des Amen. Et alors, je voudrais que tu puisses déclarer ce soir que toutes les lots de ta vie qui s'est levé empêchent à ta vie de pouvoir entrer dans ton parent.